Ah, il y a un mouche. Attends. Non, par contre, attends, il y a vraiment chat. Excuse-moi. Ça va, tu vas bien? Ouais, tout va bien, t'inquiète. T'es sûr? Oui, t'inquiète, commence pas toi aussi, sinon je t'enculé toi aussi. Bon, eh bah, va te faire enculer, frère, c'est terrible, frère. C'est incroyable, on essaie de vous aider, vous voulez pas. Nick, t'es mort. C'est terrible, frère. Non, mais là, attends. Mais je suis en train d'halluciner, frère. Mais attends, je suis en train d'halluciner, mais c'est terrible. La meuf, elle se fait accoster par des mecs, les mecs, ils sont en train de forcer. Je pars pour l'aider, je lui dis si tout va bien. Elle me dit, je vais t'enculer, elle baisse ta mère. Mais c'était... Copine, regarde-moi, s'il te plaît. Regarde-moi, j'ai pas envie de te toucher, s'il te plaît. T'as un truc à ta jambe, je sais pas ce que c'est. Mais ferme ta gueule, putain, mais je vais te dégoûter. Mec, il va se faire niquer. Mec, il va se faire baisser de sa mère. Mec, il a essayé d'aider une meuf, mais il va se faire péter la gueule. Ouais, elle a failli me tuer, les gars. Je t'ai donné du rhum et de l'eau. Non, pas contre, pas. Oui, elle a niqué lui, il se passe un truc de fou là. Non, calme-toi. Je te demande de te calmer, donc tu te calmes. Oui. Regarde, monte bien la tête de ce fils de pute avec la casquette en verre là. Non, je vais vite. Parce que ce fils de pute en fait, il a vendu de la ki à des potes. Ouais. Et c'est de la morora en fait. Il a tué des gens. Ce mec, il a tué des gens. Qui ça? Il mérite qu'on lui fracasse la gueule en fait. Donc, monte sa tête là à tous ces fils de pute. Je vais éviter de montrer la tête de quelqu'un pour qu'il me pète la gueule après. Monte sa tête à lui, je m'en bats les couilles. Il saura pas quitter. Mais arrête. Je pense que t'es énervé, mec. Tu sais ce que je peux? Parce que moi, j'ai vu. Fils de pute, moi. Sur la vie de ma mère, il y a une flic. Le flic, il a regardé fait, il doit dire ralenti, oh putain. Ah, ça me fuit. Il y avait une santé con. On roule à je sais pas combien. Je repréviens encore Twitch une nouvelle fois. Je roule évidemment. Pour dire que c'est la D. Tu veux pas savoir. Vas-y, raconte-moi, ça m'intéresse. Vous êtes mes nouveaux potes de la soirée, je pense. En attendant que mes autres copains reviennent. Mais tu viens d'où toi? Moi? Je viens de Marseille. Juste déjà, comment Marseille. Non, toi, je sais comment tu t'appelles, mais comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Rachid. Moi, je m'appelle Rachid. Ah, bah cool. Et toi, tu t'appelles comment? Manon, ok, ouais, je t'appelle Manon. J'aime pas Manon, il y a trop de Manon. Ah ouais? Du coup, genre, mon tag de blaze, tu veux, c'est. Non, mon tag. Mon blaze de tag, c'est Man. Ok, et t'as quel âge, Manon? Non, du coup Man, tu vois. Mais juste Man. Et parce que Manon, c'est pas stylé du tout. Ok, et t'as quel âge? 20 ans, et toi? 20 ans, moi, j'ai 20 ans aussi. T'es né en quelle année? Moi, 98. T'as 22, wesh. Ah non, 98. Hey, je suis né en 2000, j'ai 20 ans. Toi, t'as 1998, ça veut dire t'as 22 ans, wesh. Non, j'ai 20 ans. Mais non, c'est impossible. Je pense que t'es trop bourré, frère. Eh, hey, mais gros, on est en 2020. Ouais, 2020. Ouais. 2020. Non, merci, non. Une nouvelle fois, je roule évidemment. J'ai cru qu'il était. Je roule évidemment sans lire le chat. C'est trop bien! Oh, il y a un venu de flic. Attends, je crois qu'il y a un venu de flic. C'était un flic? On est d'accord, c'était un flic. Oui, bah oui. Il t'a niqué? Non. Il y a la voiture. Hé. Mais quoi, attention, si. Mais ça, c'est un faux, frère. Ça, c'est un faux. Ouais, attends. C'est un faux mec. Mais t'as faux. Il y a la couverture. Il y a la couverture.
Arrête, on roule pas, frère. Mais ralentis la putain de ta merde, t'es sérieux ou quoi? Il y a les flics. Ralentis, frère. Fake. Arrête. Eh, moi on m'a appris un truc, c'est que si elle condé, on fonce. Ah, ça me fume. En gros, je vous explique. Attends, j'ai enlevé le masque. En gros, là on va à Saint-Pierre. On va à Saint-Pierre. Et on va aller parler bah, comme hier en gros. Voilà. On va aller parler comme hier. On a un petit groupe de 4. Il y a Elias. Et il y a moi. Et il y a Fake. Putain, mais il a même pas dit. Y a Elias, si, mais en fait j'attendais qu'il fasse wesh et ensuite j'y fake. Et ensuite on est accompagné du photographe. Ouais, en gros il y a un photographe, les gars, pendant 2 jours il va nous photographier. Et vous avez vu ce bâtard, c'est pour ça que je suis méchant avec lui parce que rien que là il m'a même pas annoncé, les gars. Non, mais parce qu'en fait, tu sais, comme dans les animés, je dis le blast de Elias, Elias il dit wesh, ensuite j'y ai fake. On va où là aujourd'hui? On va à Saint-Pierre. Ok les gars, s'il y en a un qui a des clopes et qui est sur Saint-Pierre, je veux bien des clopes s'il vous plaît. Ouais. Parce qu'on en a plus. Quoi? Bah je veux des clopes. Non mais. Bref, okay, bah si vous avez des clopes, vous allez à Saint-Pierre. Il si, y a des gens qui ont des clopes. Bichou. Quoi? Oh, c'est mon vélo. Mais qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Pourtant j'avais bien mis le cadenas. Pourtant je l'avais bien sécurisé avec le cadenas. Arrêtez, une semaine je me suis volé du vélo moi. Oh la dame, attends, fin des tours. Il y a une meuf que j'ai captée qui est en bas. La vie de ma mère, les mecs, écoutez bien ce que je vais vous dire. La vie de ma mère, qui est une meuf que j'ai captée dernièrement et que je ne peux pas revoir, qui est juste en bas de nous, frère, sur la tête de ma mère. Remonte, Elias, Elias, remonte, fils de pute. Elias, remonte. Je fais le tour. Attends, est-ce qu'elle m'a vu? La question, c'est est-ce qu'elle m'a vu? Non, c'est bon, elle a pas tourné sa tête vers moi. Ok. En fait, pour vous expliquer la petite histoire, j'ai capté la meuf. Tu vois, j'avais capté la meuf. Et vas-y, mauvais plan, tu vois. Et donc, du coup, j'ai arrêté de lui parler. Genre, blanc total, tu vois, frère. Vraiment. Alors, Michou, il y a ton ex. Arrête ta gueule. Le pourcentage de chance que ça pouvait m'arriver. Alors, Michou, il y a ton ex, bâtard. Le pourcentage de chance que ça pouvait m'arriver de tomber sur elle à ce moment-là. Comment c'est? Vas-y, recommence, je te filme. Vas-y, fais du parcours. T'es prêt? Il fait du parcours, les gars. Vas-y, passe à gauche. Et saute là. Allez, vas-y. Oh, t'es trop chaud. Qu'est-ce qu'il fait? Oh non, là, pas de bagarre, s'il te plaît, pas de bagarre. Pas de bagarre. Non, il n'y avait pas le balai, de toute façon. Je sais pas, frère. Le molosse, elle s'est calmée. Le molosse, non, je pense qu'il a deux doigts, elle a vraiment deux doigts de s'embrouiller, moi, frère. Je pense qu'elle s'est calmée, le molosse. Vraiment pas. Les gars. Ouais. Ça dépend des gens qu'il y a en fait. Ouais, mais attends, excuse-moi, est-ce que je peux juste filmer ça, frère, ce que t'as ici? Pourquoi t'as une Pokéball? Parce que je suis en vrai sur. C'est un live Twitch? Ouais. Tu connais quoi? Regarde, monte bien la tête de ce fils de pute avec la casquette en verre là. Non, je vais vite. Parce que ce fils de pute en fait, il a vendu de la ki à des potes. Ouais. Et c'est de la morora en fait. Il a tué des gens. Ce mec, il a tué des gens. Qui ça? Il mérite juste qu'on lui fracasse la gueule en fait. Donc, monte sa tête là à tous ces fils de pute. Je vais éviter de montrer la tête de quelqu'un pour qu'il me pète la gueule après. Monte sa tête à lui, je m'en bats les couilles, il saura pas quitter. Mais arrête! Je pense que t'es énervé, mec. Tu sais ce que je pense, frère? Si t'as un bonhomme, tu lui jettes ta Pokéball. Non. Ça, après je vais la perdre en fait. Ça y est, t'en rachètes pas une. Dedans, il va sortir. Bah ouais, tu jettes ta Pokéball. Passe-moi, je jette ta Pokéball si tu veux. C'est sûr que je n'irai pas le capturer et tout ce que je veux, c'est le tuer. Toi? Ouais. Tu veux le tuer? Non mais c'est qui? Il a tué des potes à nous. Quel moment? Tuer? Dans qui? Attends. Par contre, là, on est sur une histoire morbide là. La vie de ma mère, c'est terrible parce qu'il est en train de dire ça. Oui, c'est moi. Ça va ou pas? C'est le garde du corps. On peut te filmer ou pas? En gros, je vous explique, lui, ce molosse, non, mais c'est celui. Faut vraiment pas venir. Je vous explique, je m'écarte un peu. En fait, je voulais aller voir le mec et lui péter la gueule, mais là, je te vois et j'ai pas envie de te péter la gueule. Ce mec-là, en gros, je vous explique, c'est celui qui était. Vous voyez celui qui. Top Inter, bien vu la mif. Vous voyez celui qui était devant l'entrée quand il m'a fait le don de 2 euros et il m'a dit, ouais, je suis devant l'entrée et tout. Et bah, c'est lui. Et lui, en fait, il s'est proposé pour faire garde du corps de la JL. Genre, il a fait du kung fu, il a fait du karaté, il a fait plein de sports de combat. Il est grave fort là-dedans. Et genre, pour les soirées et tout, quand on sort, et bah, il veut être avec nous. Au cas où il y aurait une couille, tu vois, comme ça il nous aide. Genre, c'est bizarre à dire, mais genre, quand vous voyez sa taille, genre, il est grand, hein. Et bah, il nous aide. Et genre, il a fait du rugby et tout. Frère,
il nous arrive une galère, bam, ça se pointe. Donc, voilà, c'était lui en fait qui était devant. Et lui, en fait, ça. Oh, il y a un bruit, il y a un bruit. C'est comme. Attends, je pense que la violence ne résout rien, les mecs. Ah, vas-y, s'il te plaît, calme. Ah, vraiment. Pas, non, je fume pas, frère, je fume ma tête. T'es fou. Non, je fume pas, pas ta tête. Ah, non, regarde, tu fumes moi. Non, t'inquiète, je... non, mais je fume pas. Mais fais attention, frère, la violence ne résout rien. Vraiment. Hein? Vas-y, s'il te plaît. Non, la violence ne résout rien, frère. Mais là, je suis ta... ma tête, c'est fumée. Il va me taper. Il va me niquer. Il va m'arracher. Parce que je lui ai dit quoi? Je lui ai dit moi la violence ne résout rien. Il m'a dit quoi? Il m'a dit fume pas. Attends, est-ce qu'elle m'a vu? La question c'est est-ce qu'elle m'a vu? Non, c'est bon, elle a pas tourné sa tête vers moi. Ok. En fait, pour vous expliquer la petite histoire, j'ai capté la meuf, tu vois, j'avais capté la meuf et vas-y, mauvais plan, tu vois. Et donc, du coup, j'ai arrêté de lui parler. Genre, blanc total, tu vois, frère, vraiment. Alors, Michou, il y a ton ex. Arrête ta gueule. Le pourcentage de chance que ça pouvait m'arriver, Michou, frère. Alors, Michou, il y a ton ex, bâtard, hein. Le pourcentage de chance que ça pouvait m'arriver de tomber sur elle à ce moment-là. Et donc, non, du coup, en fait, la meuf là, j'ai arrêté. Oh, yes. Yes, raconte pas tout, tu vois, quand je raconte, mais t'inquiète. Donc, en gros, cette meuf, tu vois, genre, c'était un mauvais plan. Et genre, j'ai arrêté de lui parler, tu vois, du jour au lendemain. Parce que, bah, du coup, c'était un mauvais plan, tu vois, elle le savait aussi. Et du coup, j'ai arrêté de lui parler. Je pense que si elle me croise maintenant, elle va vouloir en découdre. Eh, y a du monde. Arrête, fais, viens, avance. Mais non, parce qu'il est tout seul, frère. Arrête, frère, laisse-le. Je préfère pas dire là ce qui vient de se passer. David, on décide, frérot. Non, par contre, oh, attends. Oh, les gars, je vous jure, il y a un petit handicapé. Il est en fauteuil roulant. Il est là, il est tout seul au milieu de Saint-Pierre. Et il regarde son téléphone sur ses genoux. Et il est comme ça. Et il fait que regarder son tel. Et je l'appelle et il bouge pas. Il est comme ça. Il est focus sur son tel. Comme si tu vas l'approcher et d'un coup il va faire waouh. Comme ça. Oh, ça fait trop peur les trucs comme ça. Attends, tape la poche là. Reste là, bouge pas. Non, mais attends debout pour avoir les lumières derrière. On avance, hein. Comme ça. Bon. Depuis. Ça fait combien? Ça fait 2 ans maintenant. 2 ans? Ah, oui. Et Manon, ça fait 6 mois maintenant qu'elle est rentrée dans notre vie. Ah, vous êtes un plan A3? Ouais. J'ai pas envie d'appeler ça un plan A3. Non, mais c'est pas un plan A3, mais. Couple mix? Non, en fait, c'est un couple un peu libre. Voilà. A3. Et du coup, non, juste pour les meufs en fait. Parce que elle est bi, du coup genre je vais pas. Moi je, en fait moi je supporte pas s'il voit une autre meuf. Ouais voilà. Mais attends je comprends pas, Manon. Manon c'est Ah c'est bon j'ai compris. Tu veux faire simple? Ok voilà. Donc attends, Germaine tu baises avec Manon et ton gars, et ton gars baise que avec toi, et Manon baise que avec toi, et toi du coup tu tapes les deux. Le gars peut regarder de temps en temps si ça lui fait plaisir. Ah voilà. Et du coup tu regardes des fois? Salut, des fois je m'en regarde. Mais il a pas le droit d'y toucher. Ouais. Bah quoi, mais on est dans 50 nuances degrés ou ça se passe comment? J'ai pas le droit de me toucher la queue quand je te regarde. Quoi? Oui. Bah non, il a pas le droit d'y toucher, t'es fou toi quoi. Pourquoi il se toucherait pas la queue? Et parce que je pète les plans sinon. Ouais, parce que sinon elle va être jalouse. Savoir si c'est Saint-Pierre. Ah si, ok. Et toi t'es une habituée d'ici? Ah mais sûrement oui. Sûrement. Ah ouais mais toi tu passes une bonne soirée là. Ouais. Qu'est-ce que tu cherches, mec? Je sais pas. Ouais, là, il cherche à nous filmer. On passe toujours des bonnes soirées, bande d'enculés, moi, ça fait quoi? Ecstasy, cocaïne. Ouais. Ecstasy, cocaïne, shit. Ouais. Ils font des lives. J'ai ça même du cocaïne, crack, mon pote. Non, doucement, voilà. doucement. Ok, bon, ils ont du crack. Ok, bon, bah, c'est sympa, on retend. Hein. Aïe. Devant moi. Je t'assure que maintenant, non. Je te connais, je sais. S'il te plaît. Retourne-toi, Bichou. Bichou, si tu te retournes. Voilà, je me retourne pas. C'est bon, maintenant, j'ai genre. Eh bah, tant pis, nique ta mère, je te rends pas ton tête tant que je te retourne pas. En fait, ce fils de chien, il a de la merde au cul, wesh. Et je crois qu'il s'assied. Tout à l'heure, quand il s'assied à côté du groupe des meufs, je crois qu'il s'assied. Regarde, attends. Le karma, fils de pute. Attends, mon tel il va péter. Non, c'est bon. Ouh. Non, fais voir ton cul. Non, frère, c'est bon, je savais pas, il y avait de la boue. Frérot, fais voir, wesh. Ah, ouais, ça va, vite fait. Ça va, frère, ça va. Non, arrête, regarde, ça va, ça va. Ça va, c'est une trace, bref. T'avais de la merde, frère, tu t'es pas retourné, retourne-toi.
Retourne-toi, wesh. T'es un bon, va te faire foutre. Vas-y, tiens.